Salut, je m'appelle Gustavo et je suis ton professeur de français. Aujourd'hui, on va parler des actions et des attitudes qui peuvent porter sur l'environnement ou le bénéficier, ce qui nous engage tous. Chaque jour, notre planète est de plus en plus sale. Elle est en danger. Moyennant de différentes structures linguistiques, c'est alors pour toi l'opportunité d'apprendre à décrire une situation qui affecte la Terre, à donner ton opinion sur l'environnement, à exprimer ce qui convient pour l'environnement et ce qui ne lui convient pas, et à rédiger un message rapporté à la protection de la planète. Juste une seconde. Il y a personne pour s'en occuper. Et attendez, vous allez où? On ne va pas laisser tout ça oublié sur la table. Il n'y a pas de poubelle. Mais ce n'est pas une raison pour salir les parcs. Il n'y a pas de poubelles. Alors, qu'est-ce que vous devriez avoir fait? Mettre les ordures dans un sac. Oui, et qu'est-ce que vous auriez fait avec le sac? Le jeter dans une poubelle. La première chose importante à savoir est que ça arrive partout, tous les jours. Dans les maisons, dans les parcs, dans les rivières, dans les océans. La deuxième chose importante, c'est qu'on peut tous faire partie de la solution. Vous connaissez la soupe plastique? Non. Venez la voir. Mon Dieu, je ne savais que ça existe. L'horreur! Comment est-ce que tout ça est parvenu sur l'océan? Depuis longtemps, les gens comme les entreprises ont fait très peu d'attention aux déchets qu'ils jettent dans la mer. On a laissé des ordures dans les rivières, des gaspillages dans la rue. Mais les troubles de la planète sont également issus de la pollution. C'est les pots d'échappement des voitures ou celles des usines. Repéré sur le graphique, la fumée des usines et des voitures est concentrée sur l'atmosphère. Il pleut, une quantité considérable de cette contamination retombe sur la terre et pollue les aliments semés. La campagne, les rivières, toute la planète tombe malade. Oh là là, la protection de l'environnement est importante. Il faut faire quelque chose. Il faut être responsable. Vous avez compris? Le soin de la Terre est à tout le monde. On doit tous y être engagés. Que faire alors? Il faut fermer le robinet pour ne pas gaspiller l'eau. Quoi d'autre est-ce qu'on peut faire? Il faut recycler. Voilà, très bien. Je vois que vous avez bien compris l'importance de s'inquiéter de la planète. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Il ne faut pas jeter des ordures dans la rue. Ne pas salir les parcs. On doit épargner de l'eau. Je suis sûre qu'il faut recycler. Le Costa Rica est un pays vert. Ok, il ne reste alors que nettoyer ce bazar. Allez-y. D'accord. En définitive, notre planète est malade. La Terre est notre mère et comme telle, nous demande de ne pas faire des actions nuisibles pour nous-mêmes. Écoutons en fait ce qu'elle nous dit. Votre maman, mon fils, ma fille, ne cueillez pas tous les fruits d'un arbre. Il donne aux oiseaux leur chant. Ne chassez pas tous les animaux de la jungle. L'homme, lui, est aussi un animal. Ne pêchez pas tous les poissons de la mer. Parmi les poissons, il y a des dauphins. Ne foulez pas toutes les plages de la côte. Les tortues pondent des œufs le soir. Ne dévoilez pas tout le secret de la planète. La curiosité n'a pas tué seulement le chat.
ne prenez pas toutes les couleurs de l'atmosphère. Vous aurez un arc-en-ciel s'il pleut plus tard. Ne buvez pas toutes les gouttes de la pluie. Vous aurez soif en été. Oui, c'est vrai ça. N'emportez pas tous les miels des abeilles. Les abeilles, elles, n'ont pas le diabète au sang. Ne buvez pas tout le lait des vaches et des chèvres. Des chevreaux ont les chèvres et des veaux les vaches. Ne cueillez pas toutes les fleurs de la plaine. Un bouquet à votre mère sera suffisant. Ne méprisez pas les semences de plantes et de fleurs. Vos poumons et vos yeux vous remercieront demain. Affectueusement, la terre, votre maman. Est-ce que tu as aimé le poème? Dans le but d'éveiller une réflexion finale au sujet de la protection de l'environnement, je veux que tu analyses les gestes que tu viens d'apprécier. Est-ce que tu es d'accord à respecter l'équilibre de la nature? Celle-ci n'est pas seulement une vidéo pour une classe de langue. C'est en plus la réalité de notre planète. Comme nous, tous, tu es aussi responsable de sa protection. Une planète moins polluée et plus verte sera notre meilleur héritage pour les nouvelles générations. Merci de faire partie du projet Profe en Casa. Au revoir.